Salut les amis, c'est Guise, comment allez-vous? Merci pour les 1500 abonnés, on est enfin atteint encore un nouveau palier. Franchement, les gars, où on va s'arrêter? Parce que là, franchement, c'est vraiment génial. C'était la petite parenthèse d'introduction, je tenais vraiment à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait super plaisir. Bon, les amis, j'ai reçu plein de choses. Juste comme ça, vite fait, je vous montre la Dio Awakening en Medicos. Je viens de recevoir ma première Kotobukiya de Pokémon, mais je ne sais pas si je vous ferai une vidéo parce que vous n'êtes pas trop fan de Pokémon, hein, vous n'avez pas oublié. Si vous voulez la voir en unboxing, dites-le moi, je ne l'ouvre pas tout de suite. Je peux vous faire un unboxing pour voir un peu avec vous la qualité. Il s'agit de Red et de Salamèche, donc on verra ça ensemble. Et je viens de recevoir la dernière POP qui me manquait, donc ça aussi, si vous voulez l'avoir en unboxing, dites-le moi les amis. Mais le plus important, vous êtes là pour la vidéo The Quête Essentielle Quatuplette. Comme vous savez, j'ai adoré cette série, je vous ai déjà fait un petit unboxing de Miku, si vous vous souvenez, je vous avais fait Miku, et puis je vous avais fait aussi Ishika, dans la gamme Kotobukiya. Donc voilà, hop, un petit peu du mal avec le zoom, voilà, Ishika. Vous aviez particulièrement apprécié la vidéo, et bien aujourd'hui j'ai reçu, en fait, ici à l'instant, elle est sortie le 19 mai au Japon, je l'ai commandée sur le site de Nimnim, elle m'est revenue à 82€, il s'agit de Ishika, donc la troisième à sortir dans la même gamme, de chez Kotobukiya, encore une fois, voilà. Que vous dire d'autre, à part qu'elle a l'air magnifique, franchement, regardez-moi un peu cette dinguerie, j'ai hâte de l'ouvrir avec vous maintenant en direct, mais pourquoi je vous fais ça ici en vidéo, parce que aussi je vais vous faire découvrir un truc que moi j'ai cherché sur YouTube et que je n'ai pas trouvé. Donc du coup je me dis, je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter les guidebooks qui sont sortis au Japon. Donc c'est des petits guidebooks, ça c'est un spécial par exemple pour la série animée de la saison 1. Et alors il y a 5 livres pour chaque sœur. Vous voyez, et je vais vous présenter un peu ça pour voir si ça valait l'investissement. Au Japon, ça coûte 7-8€. Moi, je les ai payés ici chez mon partenaire Boom BD. Il me les a apportés à 10€ pièce, ce qui est logique avec les frais de port et la douane. Donc 60€ pour les 6. On va voir un peu. Vous voyez, ils sont pas encore ouverts, donc ce que ça vaut. Donc, les amis, comme on vient de le dire, il s'agit de Itsuki Nakano, donc la première à rencontrer notre ami dans la série. Je ne sais pas si vous avez lu la série chez Pika. Moi, je vous la conseille. J'ai fait une vidéo découverte sur la chaîne, donc là je vous montre la boîte plus en détail, comme ça vous voyez un peu juste la boîte. Elle est dans le même style que les deux autres. On va voir un peu ce que donne tout ça. Moi je vous conseille vraiment cette série. J'ai fait un truc que je ne fais jamais, j'ai lu la fin de la série en scan, parce que franchement ça spoilait partout. Moi je vais pas vous spoiler évidemment dans les vidéos, mais voilà, je l'ai lu parce que j'avais pas envie d'être spoilé par quelqu'un. C'est une excellente série, il y en a plein qui n'aiment pas la fin, moi j'ai très bien aimé, j'ai apprécié. Et donc voilà les amis, donc celle-ci a la particularité d'être debout par rapport à Ishika et par rapport à Miku qui était déjà sorti. Elle est debout et elle n'a pas de banc, comme vous avez vu donc sur les autres. Elles disposent toutes les deux d'un banc et elles sont assises dessus. Ben celle-ci n'en a pas et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça va revenir trop cher de faire une classe complète. Oh, ça aurait surtout pris beaucoup de place. Donc, qu'allons-nous avoir? Forcément, ça va être la plus grande, vu qu'elle est debout. Il manquera donc Yotsuba, Yotsuba et Nino. Yotsuba sort fin juin et Nino sort ici septembre, si j'ai bien vu, au Japon. Septembre au Japon, moi je les achète là-bas, donc... Je ne sais pas trop vous dire quand ça sort ici, même si c'est introuvable. J'avais déjà essayé de les trouver ici à la base, mais à part la Nino, toutes les autres sont introuvables. Le petit socle, ben, c'est le même que les autres, donc c'est un bout de carrelage en plastique, évidemment, de la classe. Et voici donc la bête. Je ne vais pas faire 2 heures de vidéo juste pour vous montrer une PVC, parce que ça ne bouge pas de toute façon. Vous commencez à connaître, donc voici la belle. De toute façon, comme d'habitude, après je vous montre, je vous mets ici sur le côté donc les centimètres, le prix, un lien pour si vous la voulez. Elle est toujours disponible, elle vient à peine de sortir, elle est sur le site Nimnim ou sur le site Amazon Japon. Moi c'est donc sur Nimnim que j'ai pris. Je n'ai pas eu de douane, je préfère vous le dire. Moi je n'ai pas eu de
douanes, ça arrive des fois qu'on en a, ça arrive des fois qu'on n'en a pas. Je suis bien content de ne pas en avoir eu. Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique, les amis. Voilà, hop, je lui ai relevé son petit... Vous voyez. Je sais qu'il y a une version exclusive aussi avec une autre tête. Moi, malheureusement, aucune des trois, j'ai les versions exclusives parce qu'elles sont limitées au Kotobukiya Shop. Donc ça, il faut les commander sur le site Kotobukiya. Et moi, je n'ai pas l'opportunité, je vais dire, de les commander. Et puis surtout, elles sont beaucoup plus chères juste pour une petite tête. Oh, ça plug de suite. Et voilà, les amis, regardez. Magnifique. Franchement, elle est magnifique. Moi, j'en suis très content. Je vais vous mettre après avec les deux autres. Comme ça, vous aurez une vue d'ensemble des trois sœurs. Franchement, les amis, pour le prix, c'est 82 euros. J'ai payé, c'est ça que j'ai dit tantôt. 82 euros à frais de port livré. Vous avez une magnifique PVC. La prochaine vidéo sur La prochaine vidéo que je ferai sur la série, ça sera les pop-up parades. Donc, il faut savoir que Good Smile sort aussi des figurines à 40 euros de la licence. Elles sont très belles en photo, mais comme toutes les pop-up parades, quand on les reçoit, elles sont peut-être un peu décevantes. À voir, les amis. Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On a un deuxième bras, si on veut le mettre droit, vous voyez. Et une autre main, si on veut fermer plutôt la main, plutôt que de lui faire son... Donc voilà les amis, sans trop tarder pour ne pas que la vidéo dure 3 ans et que je vous garde trop longtemps, on va passer au livre. Allez les amis, on y va. Donc voilà les amis, comme vous voyez, il y a un guidebook pour chaque sœur, ainsi que, comme je l'ai dit, pour la saison 1 de l'animé. Donc on va un peu voir ce que ça vaut, qu'est-ce qu'on a debout comme information là-dedans. Donc on va commencer par Nino. Qu'a-t-on debout ? Ah, bah déjà ça c'est une illustration de couverture d'un tome. Page couleur pour commencer. Alors, bah évidemment c'est tout en japonais, je ne comprends absolument rien au japonais. Il y a un guide des matières, donc ça fait 121 pages. Et voilà, donc je ne vais pas savoir vous aider en vous disant ce qu'il y a dedans. Donc ici je suppose que c'est une présentation du personnage. C'est plus vraiment pour le fan, hein, tout ça. Et les amis, vous en doutez bien que... C'est pas pour le lire. Moi, c'est parce que j'adore vraiment la série et que j'essaye d'avoir un max de trucs sur la série, que ce soit figurines. Et puis ici, on m'a proposé d'avoir les guidebooks. Alors du coup, j'ai sauté sur l'occasion. C'est pas tous les jours qu'on vous propose d'avoir des guidebooks d'une série. Et donc voilà, vous voyez, c'est beaucoup en noir et blanc par contre. Donc là, c'est à mon avis, à chaque fois, ils montrent les meilleures scènes ou les phrases les plus cultes. C'est un peu comme ils avaient fait avec Jojo. Vous voyez, à chaque fois, c'est ses réflexions les plus cultes de la série. Ça présente le personnage, quoi. Ah, ici, ça redevient un peu en couleur. Twitter. Voilà. Ici, c'est pour montrer un peu des illustrations. Donc voilà, les amis, comme ça, vous pouvez un peu vous rendre compte. Parce que moi, j'ai cherché sur Internet, je n'en ai pas trouvé. Ou alors, j'ai trouvé des versions en japonais, des vidéos en japonais, où ils montrent juste le livre, mais ils montrent rien à l'intérieur. Donc, c'était pas très pratique de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, comme ça, vous voyez. Ah, les croquis, ça peut être pas mal, de voir tous les croquis de l'auteur, vous voyez. Ça peut être pas mal. Maintenant, il faut vraiment être très fan pour prendre ça. Des storyboards, voilà, des storyboards des scènes de l'auteur. Ça fait un peu mini artbook. Ah ouais, vous voyez le crayonné. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Maintenant, est-ce que ça vaut 10 euros pièce, les amis? Vous allez me dire, le merchandising, là, par contre, voilà, la galerie de merchandising. Vous allez me dire, quand on est fan, on ne compte pas. Ça, je vous l'accorde. Mais le problème, c'est que je suis un peu trop fan de tout. Donc voilà, donc ceci est le premier livre. Voilà, je suppose que les autres... Je vais aller un peu plus vite pour les autres pour ne pas vous garder... 250 ans, ça c'est ma préférée, c'est Miku. Je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos. Ben, c'est pareil, on commence avec des pages couleurs, et puis alors, on va, à mon avis, commencer avec sa première rencontre, voilà. Première rencontre, puis toutes ces phrases cultes. Donc, on est vraiment sur la même chose. Donc, les 5 vont être pareils. Bon, au moins, comme ça, vous avez une idée, vous savez que ça existe. J'avais demandé à Pika s'ils allaient les éditer ici, mais ils ne m'ont absolument pas répondu, comme d'habitude. Et la seule fois où il y a eu un message, parce que j'en ai écrit plusieurs, c'était « Veuillez vous adresser ou sur le site internet dans les requêtes ». Donc, ok, merci. Dites-le, vous ne les sortirez jamais. Vous voyez, comme ça,
vous voyez un peu ce qu'il y a dedans. Première leçon. C'est beaucoup du noir et blanc par contre. Hein. Je m'attendais au moins à un petit peu plus de couleurs. Vraiment des illustrations typées artbook. Donc là, ça aussi encore, voilà, des scènes. Si on mettait ça, on aura peut-être un manga complet. Et puis après, il monte son lieu de travail. Vous voyez. C'est sympa, voilà, c'est sympa. Maintenant, comme je vous dis, est-ce que ça justifie 10 euros pièce? Ça, je vous laisse, vous, chacun. Oh, tiens, c'est dommage, j'ai pas eu de... Ah non, non, plus de chat. Il y en a qui ont des listerets. Vous voyez, il y a listerets, listerets, listerets. Et ceux-là, ils ont pas de listerets. Dommage. Ça aurait été plus sympa d'avoir tous des listerets. Je vais passer directement à l'autre. Parce que voilà, regardez ceux-là. Bah, ça va être la même chose, hein, forcément. Ça va être la même chose. Voilà, vous voyez, ça va être la même chose. On commence avec 2-3 pages coup d'heure. Et puis, on enchaîne sur la première rencontre, sur toutes les phrases cultes, etc., etc. Et puis, c'est pareil. À mon avis, il y a encore du storyboard. Oui, c'est pareil. Voilà, les amis, c'est exactement la même chose. Mais aussi, pourquoi ne pas avoir fait un gros bouquin, voilà, un gros bouquet de 500 pages, qu'ils auraient même vendu 40 euros. Et ça revenait au même, quoi, les amis, hein. Ah, celle-là, elle va bientôt sortir chez Good Smile Company, cette illustration-là, en figurine. Elle est disponible bientôt, le mois de juin. Elle sort, je crois que si j'ai bien vu, c'était 150 euros chez Good Smile Company en PVC. Elle a l'air magnifique. Je ne sais pas encore si je vais craquer, les amis, mais... Parce que je fais pas que cette série-là, évidemment, vous en rendez bien compte. Vous voyez mes vidéos, j'achète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je m'éparpille un peu, beaucoup, 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 beaucoup. Et donc la dernière, voilà, Yotsuba, qui sera la prochaine à sortir dans la gamme de Kotobukiya. Donc ça sera la quatrième. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, c'est différent, c'est TV Animation, saison 1. Vous voyez, TV Animation, saison 1. Ça, c'est vraiment un artbook, je pense. Ah, ça commence comme ça, moi j'aime bien. Belle page, couleur, comme ça. Oui, là, voilà, on est face à un petit artbook, les amis. Ça a l'air déjà vachement plus intéressant. Bon, maintenant c'est sur la série TV. C'est pas sur le manga. Mais ça a l'air déjà vachement plus intéressant. C'est en couleur. Vous voyez? Hop, personnage, description. Vous voyez? Les différentes tenues, les croquis préparatoires. Ça, c'est déjà vachement, vachement, vachement plus intéressant, hein, les amis. Ça, ça vaut 10 euros, clairement. Alors, vous voyez, au-dessus, c'est par code couleur des filles, en fait. Vous voyez, Mino, elle est en mauve. C'est vraiment pas mal, tu sais, ça. Bon, je vais un peu plus vite, parce que je pense que vous en foutez de regarder 20 minutes de vidéo d'un gars qui tourne des pages. Oh, elle est belle, cette illustration-là. Magnifique. En fait, la saison 1... Et donc voilà les amis, comme ça vous avez un peu vu, vous savez que ça existe surtout, c'est ça le plus important. Vous savez que vous pouvez trouver des bouquins sur The Cat Essential Catuplet. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez les avoir chez Booms ou alors tout simplement sur Amazon, ils sont disponibles. Amazon Japon bien évidemment. Donc maintenant les amis, je vais vous faire une vue d'ensemble sur les... Attendez, je vais tourner la caméra parce que ça sera plus poli de vous parler en face. Je vais faire une vue d'ensemble sur les trois figurines pour vous dire au revoir comme je fais à chaque fois et comme ça vous allez un peu voir. En tout cas les amis, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir un peu ça, les livres, c'est le but de la chaîne comme d'habitude, je vous fais découvrir des choses qu'on ne trouve pas ici et je vous dis encore merci parce qu'on a passé les 1500 abonnés et franchement moi j'y croyais plus quand j'ai commencé YouTube il y a un an, ça fera bientôt un an, donc on va fêter bientôt la première année au mois d'août et la chaîne elle a mis des mois et des mois et des mois et des mois à décoller et là maintenant on passe les 1500, route to 2K comme disaient dans les commentaires certains abonnés. Moi en tout cas je me réjouis et je suis extrêmement content de vous avoir près de moi. Merci beaucoup, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre dans le commentaire si vous voulez voir la vidéo de Pokémon parce que j'ai envie de l'ouvrir en direct avec vous mais vous n'aimez pas. Allez les amis, à bientôt, merci.